Les gars, c'est vrai que entre Écosse et là, il faut pas mettre le doigt. Mais écoutons quand même cette histoire parce que depuis que j'ai écouté ça là, ça fait un jet dans mon cerveau. Écoutons un peu ensemble et après on colle le commentaire comme d'habitude. Ok. Bonjour à tout le monde, c'est le MB, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous raconter un truc. Il y a une dame qui m'a contacté il y a de cela un bon bout de temps. Elle a des sérieux problèmes avec son mari. Voilà, c'est un jeune couple, hein. C'est un jeune couple. Ils viennent à peine de se marier. Le gars, il a rencontré la fille, il a kiffé, il a tout fait, doté légalement, tout, mairie. Sauf que le mec, il s'est attaqué au numéro de la fille. Il dit que il ne supporte plus que n'importe qui appelle sa go. Il demande à l'anga de changer le numéro de téléphone. La fille, elle a pété un câble, qu'elle ne change pas son numéro de téléphone. Que c'est quoi, oh, machin, truc et tout et tout. Heureusement, comme j'ai dit, elle m'a contacté. Que coach, qu'est-ce que je fais? J'ai failli entrer dans le téléphone, l'arrêter comme ça là, et la ramener derrière. Vous savez, le mariage, se marier pour une femme, c'est se déconnecter définitivement de sa vie passée et se concentrer sur sa nouvelle vie, qui est uniquement son mari et ses enfants. Ça, il n'y a pas deux choses en fait. Mais le truc, c'est que le bémol, c'est quoi? C'est que la fille, elle fait le business. Ok? Je crois qu'elle fait les trucs de vente en ligne et tout. Donc depuis longtemps, elle utilise son numéro pour son business et tout et tout. Elle dit, Coco, il peut changer le numéro, c'est que je perds mes clients et tout et tout. Mais sauf que le mec a été très intelligent. Le mec dit quoi? Le mec dit, ok, je ne t'empêche pas de travailler. Le mec, même pour vous dire, il a encore donné même plus de capital à sa go. Ce n'est pas le genre qui t'empêche de bosser. Non, non, non. C'est le genre qui te motive. Mais il demande à la fille d'avoir l'accès à ses réseaux sociaux. Donc il dit à la fille quoi? Que, ok, tu veux garder ce numéro pour le travail, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai même pas besoin de chercher à appeler le MB pour clouner. Je veux que toi-même, tu me donnes l'accès à tous tes réseaux. Et la fille dit non. Non, vous voulez. Franchement, vous les femmes, vous voulez quoi? Sérieusement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi le gars te dit que, ok, comme tu dis, parce que c'est une belle excuse, hein? Oh non, mon numéro, je travaille avec et tout, le gars dit que les gars, elle me dit que non, j'ai bloqué tous les anciens dragueurs et tout, parce que je vais vous dire un truc, le numéro d'une fille célibataire, c'est comme le supermarché, hein? Et les dragueurs ont le numéro, et les niorceurs, et les ex et tout, le gars dit qu'il ne veut plus ça, c'est tout à fait normal, normal qu'une fille se marie, elle doit casser sa puce et jeter. Mais vu qu'elle a une belle excuse, qu'elle parle pour le travail, le mec dit, bon, ok, je veux avoir accès total à tous tes numéros, à tous tes comptes, trucs. Je veux cloner WhatsApp, tout et tout et tout et tout. Elle refuse. Elle dit que non, elle refuse, non et tout, que non, c'est sa vie privée. Eh, vie privée. Tu es marié, tu parles de vie privée dans le mariage. L'homme dit, au peut l'homme dit comme que, ouais, vie privée. Mes soeurs, quand vous vous mariez, si vous pouvez, cassez votre ancien numéro des dragueurs, vous jetez. Poyou là. Poyou non. Voilà. Poyou non. T'as pas eu là. Mon Dieu. Et pas Tim l'homme Dieu. Gars, vie privée. Mon frère. C'est pas la magie MB. Y'a quoi, monsieur, mon frère. Les femmes là, vous êtes même souvent même comment? Hein? Comment? On explique bien que le mariage, quand tu t'engages, le mariage, c'est pas l'amitié. Si tu n'es pas prêt pour te marier, pardon, ne t'engage pas. Parce que c'est ça, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous confondez l'amitié et le mariage. Le mariage, c'est un engagement. Et quand tu dis déjà oui devant tes parents, il faut bien réfléchir. Donc, n'accepte pas aujourd'hui pour demain dire que je n'avais pas bien réfléchi. Comment se fait-il que tu vis avec ton mari, ton époux, ton âme sœur? Tu lui dis que tu as encore une vie privée. La vie privée, là, c'est quoi? Il dit que change le numéro de téléphone. Bon, moi, particulièrement, moi, je ne peux pas demander si peut-être c'est pour ton business, comme tu le dis. Mais si à un moment donné, je sens que c'est suspect, je vais te demander de changer le numéro. Même comme tu vas changer le numéro, parce que le numéro de tes ex, là-haut, c'est quoi là? C'est dans ta tête, peut-être même dans un calepin que tu avais même écrit. Même en changeant le numéro, ça ne va rien changer. Mais ça va quand même baisser. Donc, si moi, je sens qu'il y a quelque chose de suspect déjà, je vais aussi te demander de changer mon téléphone. Et refuser que je ne peux pas avoir accès à ton, ou c'est ton business, ton compte, ou c'est quoi. Là, mon frère, c'est à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Moi, je pense que quand on est dans un mariage, on a le droit de tout connaître. Surtout l'homme.
À la rigueur, l'homme peut cacher certains, pas même pas tout, mais certains trucs à sa femme. Mais la femme n'a pas le droit de cacher quoi que ce soit à son mari. Oui, si l'homme cache peut-être certains trucs, ce sont les affaires, on peut comprendre. Pour l'homme, ça peut se comprendre, mais pour la femme qui cache tout, en fait, moi, je ne questionne pas ça. Sauf si vous vous êtes marié sur bien séparé régime, ou c'est polygamie, ou c'est monogamie. En fait, sur communauté de, au niveau des biens là, bien séparé. Là encore, ça se comprend. Hein? Parce qu'il ne faut pas justement se plaindre que la femme s'est comportée comme ça, machin. Là, c'est, le régime des biens était quoi? Bien séparé ou bien commun? Donc c'est là où il y a aussi problème. Si c'est bien séparé, mon frère, le gars n'a pas eu le droit de mettre l'œil sur le business de sa femme. Parce que ce n'est pas la communauté des biens. À ce niveau-là, moi je pense que Langa a raison. Mais si c'est communauté des biens-là, même jusqu'à la conduite d'un mariage, franchement, ceux même qui partent signer bien séparé là, moi je préfère être... comment on appelle ça? Viens un peu, on reste, viens, on voit comment ça peut aller. Que d'aller signer l'acte sur régime bien séparé. Hein. Mieux même, je ne me marie même pas. Non? Le jour où je rencontre même une gars comme ça, moi, quand je filme même sur les mariages, même que on dit que bien séparé, moi, je dis seulement que, hé, Seigneur, c'est vraiment le mariage. Vous allez même vivre comment sur régime bien séparé. Parce que si on a 5 cuillères, 3 cuillères, c'est pour moi. Si on a 5 enfants, 3 enfants c'est pour moi, 2 c'est pour la femme. C'est-à-dire que, hey, non, ça se passe même souvent comment cette histoire. Moi je comprends pas l'histoire de bien séparé là. Vous gérez même ça comment? Bref, j'étais en train de dire seulement que, Pomji, pour Tom Nayo, quand vous vous engagez déjà que vous voulez vous marier, que j'accepte tel que mon mari, sache qu'il a le droit de tout connaître dans ta vie. Ton petit ami peut ne rien connaître, peut ne même pas connaître certains choses. Mais quand on dit ton mari, de toute façon, laissez vos avis en commentaire, les amis. Et partagez-moi la vidéo. C'était le Général Franco. Ciao. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.